Hop, le petit rec. Le petit tweet. Allez, on tweet, soyons fous. Tac, tac. Allez, tweetons. J'ai dit tweetons, bordel. Voilà. Ça part sur un tweet. Bah oui, je suis là, comment vas-tu? Bah écoute, ça va! Putain, ça fait plaisir! Et au poste. Ça, ça bug par contre. On va mettre ça comme ça. Comme ça. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. Je suis un peu trop décalé. Je vais mettre là. Ouh. Ah. Bon, c'est un stream à l'arrache. Hein. Sincèrement, on est juste là. Tranquillement. Mais apparemment, Varak est pas dispo ce soir. D'ailleurs, c'est son idée, hein, le truc à droite là-bas. C'est pour le troll, l'objectif de don. Évidemment. Évidemment. Salut YouTube, au fait. La bonne blague. Comment va YouTube? Mais encore, c'est des VOD. Il me reste des VOD que j'ai pas mis en ligne d'ailleurs. Oh là là. Dernier stream il y a 20 jours, je crois. Incroyable, hein. 3 semaines. Avec ma magnifique Citroën C2. Ah, c'est trop bien. Hérou, t'es là jusqu'à quelle heure? Et du coup, on fera peut-être faire du Seigneur des Anneaux. Tiens. Course! 100%. Bam! Tac, tac. Ah oui, c'est vrai que c'est chou leur truc. C'est des défis qu'il faut faire. T'as une troisième au mieux dans le championnat sur circuit. Ok, d'accord. Verek! Verek? Verek? Je te respecte pas, mon vieux. Varek! Verek! En vrai, je me suis vu. Tweet, tweeton, Twitter. C'est vrai? C'est vrai ça? Bon, ça c'est fini tout. Là, j'ai fini premier, tac tac. Ah, je peux faire deux défis. Je sais pas à quoi ça consiste et je m'en fous. Bon, ça va les gars. Ah, c'est vrai que ma VTube Eclipse Fast and Furiousque. Perso, je pense genre jusqu'à la fin. Bon, on va peut-être faire du Seigneur des Anneaux alors. Verrek, je me casse, je t'ai pas respecté. Verrek, au secours. Le mec s'absente deux semaines, il prend un accent, tu sais. Ah. Bon, les gars, c'est chou là. Quoi? Comment? Verrek? Non mais Verrek! Merci beaucoup Verrek! Putain, merci! Ah, merci. Moi j'avais dit, ouais, l'alerte de sub, elle sera prête. Bah finalement, est-ce qu'il s'est passé, non? Oui, mais c'est pour... c'est bon, Varek, c'est pour le troll. T'as mis Verrek, donc... Eh, hey, Nicolas, jamais! Le taureau! C'est vachement français, un taureau! Nicolas jamais roule en Pontiac. Je pense. Ouais, vas-y, on place Paris, on s'en fout. On place Paris. Tu sais, le gars, il parle comme Yura. Place Paris. Pose bleu. Hop. pas du tout. Allez, accepte, c'est bon. Paris accepté, il y a intérêt. Ah, c'est normal pour un Français qui accepte le Paris. Français, Paris. Voilà. Allez, salut. Ah, bordel. Ta gueule. En fait, y'a pas mon chat. What the fuck. Stop. 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 Ici justice. Y'a pas mon chat. Pourquoi y'a pas mon chat? Bah quoi? Pourquoi y'a pas mon chat? Sur un moteur. Ah, ok, d'accord. Ah bon. Ok. Bon, tu peux redire ta gueule, hein. Tu peux. Du coup, merci. Merci. Oh là là, quoi. Merci, Eri. Merci beaucoup, Eru, pour le follow sur Insta. Non, t'inquiète pas. Dès qu'il s'agit d'argent, y'a pas de soucis. Les follow gratos, c'est cool. Ça fait extrêmement plaisir. Y'a pas besoin après de sub plus que ça. Après cette bug, je pense pas en fait.
Du coup, problème, petite panne, j'ai commencé à démonter des trucs. J'ai pas filmé toute l'opération parce qu'on s'en fout un peu, on est d'accord. Ah, je suis en boîte manuelle, les gars! Du coup, je reçois la pièce bientôt si c'est vraiment le problème, sinon. Sinon, je change le moteur! LOL! Voilà. Je fais un vlog et tout, non, je déconne. Salut les nazes! Les gars, depuis tout à l'heure, ils se parlent, mais en fait, ils me voient pas. En fait, vous êtes dans deux dimensions différentes. Bon, ok, d'accord. Non, mais c'était parce que j'ai dit Mersou. Donc la suite logique, c'était Mersou et Ri, tu vois. J'inverse les syllabes. Tac, tac, allô. Faut faire quoi sur elle déjà? Ok, je fais n'importe quoi avec ma boîte de vitesse. Je m'étonne que je pète des trucs. Hop là. C'est bon, ça dégage. Ah carrément, vous vous rebellez quoi. Vous devriez être en pleurs de me revoir. Ça va le son les gars au fait, n'hésitez pas hein. Évidemment comme d'hab vous êtes toujours chez vous. Ah ça fait plaisir. Mort Louis quoi. Oh Louis croivé bâton. Incroyable. What? Quel était ce bug? Quel était ce bug les gars? J'enregistre. Les gars, je sais plus ce que c'est pour enregistrer. C'est le point? C'est 1, je sais plus. C'est 1? Merde, je sais plus ce que c'est. Ah, c'était bien le point. Bon, j'ai deux replays. Et hop. Hiro! Putain, la team est là quoi. vous êtes toujours aussi flingués les mecs? C'est dingue hein. J'ai l'impression que la dernière fois que j'ai streamé c'était hier. Mais c'était hier, on a du mal à s'y faire hein. Référence. On a fait repère d'un aileron. Hey Bobby! Salut. Bobby en Audi TT qui se traîne la... Se traîne. Et la traîne sont là, putain. Et mon joystick qui bug en caméra arrière, c'est très drôle. Attention pour les épileptiques. Oh les gars, c'est ouf quoi. Ah ouais, c'est vrai que les commentateurs sont totalement pétés en fait. Bon, c'est bon là, on a fini. Merde. Non ! Arrête ! Ok, on va clipper ça hein. On va clipper. J'étais à deux doigts d'annoncer une enquête pour disparition. Bah non, je suis là. La dernière étape du tour de Normandie sur PCM. PCM. Pro Cycling Manager. Nicolas, toi, le bâtard. Nicolas, jamais. On recommence, les gars. Tu te chauffes. Je suis en train de chercher, mais tu sais, c'est comment le truc. Mais je suis tellement habitué au simulator, je me dis PCM. PCM, c'est pas le moyen, le truc cardiaque moyen. Non, c'est le revenu par minute sur YouTube. Non, je sais plus. J'ai de la merde. Non mais écoutez pas, coupez ce son. Oh, Queen of the Stone Age, c'est ça? Est-ce que ça retient mes... Est-ce que ça retient mes défis, du coup, je sais pas. Non, non, tout va bien. Je suis en pleine santé. Ça, c'était avant. Je tombe malade une fois par an, à peu près, donc tout va bien. Alors, ils disparaissent, et en plus, quand ils commencent à faire un chat au volant, ça vaut pas. Ah, les gars, c'était une course de chauffe, ok? Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas touché un jeu de caisse? Bah, depuis la dernière fois, j'ai streamé.
Voilà. Je sais pas, là, j'ai recommencé une saison. D'accord. Tout va bien, quoi. Petite musique de Gran Turismo 4, enfin, qui faisait partie de la tracklist de Gran Turismo 4. Il me semble que c'est comme ça que j'ai découvert ce morceau. Alors, Gran Turismo 4, quoi. Les gars, le jour où vous streamez de la PS2, vous allez bégayer, quoi. Sûrement le même jour où j'aurai enfin l'alerte de sub. Faites des noms, en fait, hein. Il me faut 5000 euros. Hein, Barak ? C'est son idée, les gars. J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau parce que les gars ils vont faire quoi? Ah ouais, hein. Je prends tout, hein. PayPal, carte bleue, Krill, Beats, je prends tout. On s'en fout. Vous me connaissez, vous savez que je troll. S'il y a des nouveaux qui passent, ils vont faire quoi? Comment? Du coup, le volume, on le laisse comme ça parce qu'on n'a pas eu d'autre avis. Donc, vu que Varek préfère. Genre, mais tu l'as vu, genre, tu l'as vu physiquement? Eh, alors, tu te plains à Varek, hein? C'est pas moi, hein. Moi, j'arrive sur Discord. Il me dit, ah, nanana, objectif de don. Ok, d'accord, pas de soucis. Oula. Oh, j'aurais pu sauter par-dessus, ça aurait été magnifique, quoi, les gars. €200 000. Je peux encore changer l'objectif de don, hein. Mais c'est le prix de mon Aventador. Bon, je préfère quand même avoir une Aventador à ce prix, les gars. Vous inquiétez pas, je m'occupe de l'assurance. Bon, pour l'Aventador, vous avez 10 ans. Là, vous avez jusqu'à Noël. C'est bon, faites pas les rats, les gars. Il vous reste 9 mois. Quand même. €200 000. What the fuck? Ouah. Ouais, mais €200 000, t'imagines le tour que tu peux faire en vrai F1? Pour €200 000. Oh, il est où Nicolas là? Hein? Il est où Nico? Nico, ils sont... les Nico au volant, ils sont pas super bons. c'est ce qu'on va clair, hein, d'accord. Ah, d'ailleurs, j'ai regardé le Grand Prix. Après X années sans avoir regardé Grand Prix. Bah, d'ailleurs, quand Bottas est arrivé, je crois. Depuis ce temps-là, j'ai pas regardé Grand Prix, je crois, ou un peu après. Du coup, j'ai regardé le Grand Prix d'Australie qui était, ma foi, assez intéressant. Sûrement pour un mec qui a pas regardé le Grand Prix depuis 6 ans. J'ai bien aimé. T'es en PLS dans un coin, Nico. Ah! Ah, ça! Moi, j'ai regardé que la course. Je vais tout vous dire, hein. J'ai pas la télé, clairement. Et je vais chercher un lien. J'ai fait quasi nuit blanche pour avoir le regarder le Grand Prix. J'ai pas pu. J'ai vu des liens tout dégueulasses. J'ai fait non, je vais pas regarder le Grand Prix en 480p avec des commentateurs russes. Du coup, j'ai fait nick. Et heureusement, une gentille âme avait uploadé le Grand Prix dans la journée. Du coup, j'ai téléchargé, j'ai regardé. En 1080p. RIP de Canal+, merci. Bah, j'ai trouvé sur un truc. Voilà. Et l'avantage du DL, c'est qu'au moins, je suis sûr de ne pas être coupé, tu vois. On est 8 ? Qu'est quoi ? Bonsoir aux arrivants. Pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas, le don est un troll. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a toujours le bon vieux commander route et banana man, hein, on change pas les équipes qui gagnent. Et du coup, bonsoir à tout le monde. Hein. Voilà, voilà. Au cas où. Comment je fais ça? Ça bug? Je vais dégager ça. Désolé, j'ai un bug. Voilà, tac tac. Non, trop troll, fait stream Canal+. Ouais, à la rigueur, tu vois. Mais si j'ai un bug de connect, je vais péter un pont. Parce que j'ai pas la même que vous. Enfin bref, c'est brise pas. Tu fais quoi comme jeu ce soir? Sincèrement, c'est un stream sauvage. On va rester sur Joris 7, je pense. Joris. On va jouer sûrement à Seigneur des Anneaux, l'âge des ténèbres, je sais pas trop quoi. Parce que Hérou est là. Si vous avez un jeu à me proposer, sur 3-6. Hein. Ou peut-être sur PC, mais sur PC ça va être compliqué. Je sais pas s'il est installé et tout. On va rester sur 3-6.
Forza, ou je sais pas, ou. Forza. Non, je pense pas. Je sais pas, un truc qui est déjà passé en stream, Need for Speed. Même si je sais pas ce qu'il y a à faire dessus. Je sais pas, les gars. C'est vraiment à la carte en fait, on fait ça à l'arrache. Et peut-être, j'aurai stream demain soir, mais ça, c'est pas sûr. Voilà. Non, parce que tu sais quoi, j'allais le prendre et en fait, il est offert avec le Game Pass sur Xbox One. Donc, ça sera sur Xbox One. Vers quelle heure SDA? Je pensais finir dessus, mais on peut le mettre en deuxième partie. Bon, même on peut faire que deux jeux. Enfin, les gars, en vrai, on s'en fout, quoi. On fait ça au calme. HD Conquête, oui, non, mais c'est, je suis en mode. Voilà. Bon, pourquoi j'ai une paire de lunettes sur le côté gauche? On s'en fiche. Bon. Circuit, il y a deux toqués, d'accord. Là, il n'y a rien à faire, mais c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Là, j'ai un défi, ok, tac tac. Bon, on va faire ça, on va tout faire, de toute façon, on va tout faire, on s'en fout. Voilà, on est monté à 8, gros bouffe, le menu par contre. Non, mais ouais, le menu, c'est horrible quoi. Le jeu est pas si mal en vrai, peut-être un peu en dessous du premier. Il est kiffant, mais c'est vrai que le menu, c'est trop en fait. On dirait vraiment SRS, les gars. Promis, les gars, un jour, je vous stream SRS sur PS2. On n'est pas loin du niveau du jeu de tuning sur PC là où je me suis mis un million. Comment il s'appelle? Super Street du Game. SRS Street Racing Syndicate. Où tu déverrouilles carrément les bonus, c'était des clips avec des meufs. Super. Ou des couvertures de magazines. Vraiment. Et en plus, c'était tellement de la merde, putain. La conduite, c'est de la merde. Tu dis à la rigueur, bon, Osef, tu t'éclates avec les voitures. Non, non, même pas. Ah ouais, je l'ai vu, j'ai répondu et tout. C'est vrai que ça ressemble, hein. Peut-être c'est une vraie photo de moi. Alors, il n'y a pas de photo de moi sur internet, mais sait-on jamais. Vous me faites taper des barres en vrai. On peut pas faire de pari. Si, on peut faire un pari. Eh, tu sais quoi, Nico? Nico, je te prends au défi. En parlant de défi, est-ce que un certain objectif a apparu et arrivé? Oui. Ça quoi? Ah non, c'est un objectif ADN. Ah, c'est cool ça. Je pense que je vais prendre un petit voyage sur Paris. le bâtard. Je rigole. Mais là, avec les beaux jours là, je sais pas si sur Paris c'est comme ça. Mais c'est beau aujourd'hui, un truc de ouf. Un truc de dingue. Ça donne envie de sortir faire de la photo. Bon, quand mon problème sera réglé, je serai un peu plus tranquille. Alors, soit j'ai pas de notif de ton Insta, soit t'as rien mis encore sur Insta avec. Mais en même temps, Insta, je comprends pas, j'ai une notif que de Couchou. J'ai mis des notifs pour deux autres comptes, j'ai pas les notifs. J'ai que les notifs de Stéphane Couchou. D'ailleurs, putain, sa vidéo là avec le Xiaomi, allô quoi. Allô? Bon, on sait que ça défonce Xiaomi de toute façon. Je suis content que Xiaomi ait choisi un mec comme ça. Arme du cul un peu, non? Non, mais pas de soucis, de toute façon, ce sera pas tout de suite. Hein. Dans le mois de mars, il reste pas grand-chose. Et je serai un peu plus esprit tranquille si j'aurais eu mon problème et que c'est vraiment ça. Après, je pourrais flâner et faire l'influenceur. J'aime bien faire ça en fait, j'aime bien les stresser. Pas de photo. Est-ce qu'un jour tu... Oui. Déjà, je l'ai streamé un jour. Hein. Est-ce que je l'ai streamé? Oui, je l'ai streamé. Vous pouvez le trouver en VOD sur ma chaîne. J'ai streamé le jeu sur Xbox One via. Enfin, la version Xbox One via la 3.6. La rétrocompatibilité 360. Mais effectivement, on peut le faire de A à Z. Y'a pas de soucis. Mais streamer directement de la Xbox One, mes câbles, je sais pas où ils sont, c'est le bordel. Il a même stressé un peu taquin. Je suis très taquin. Je suis trop en mode. Quoi? Putain. D'accord. Ce serait cool, ça va te faire une sortie. Je sais à quel point t'aimes les voitures. Je devrais au moins une fois aller à Maillicourt cette année. Voir plusieurs fois, c'est des trucs qui m'intéressent.
ça serait cool que je puisse faire un truc comme ça, tu vois. Niveau shooting, ça peut être intéressant, plus qu'en spectateur pour toi, je pense. Petite course de côte aussi. Nicolas, il commence un peu à me saouler. Alors, attendez, les gars. Il aime les streamers. Genre, les mecs, j'ai besoin d'un conseil. Comment je peux dire à une meuf qui a... Bah, ça, c'est très bien. La dernière phrase, c'est bien, en fait. Tu me lâches, sinon, je pense. Les gars, vous êtes sérieux ou vous croyez vraiment que Gamayette, c'est... c'est n'importe quoi. Tu sais que j'ai regardé pour aller au Grand Prix pour le Ricard, mais c'est super cher. Moi, je regardais pour aller au Grand Prix de Shanghai. Ouais, je fais pas les choses à moitié. Parce que c'est le 1000ème Grand Prix qui va être à Shanghai. Malheureusement, je l'ai appris trop tard et... Voilà, à moins qu'un généreux donateur arrive et me file genre 5000 euros d'un coup. Oui, je vous fais un vlog, tout ce que vous voulez. Là, ça va être compliqué. Bah, c'est justement, c'est pas des conseils pour mettre un râteau. Est-ce que mettre un râteau, c'est des conseils de drive? Je sais pas. En tout cas, c'est un truc de ouf, les gars. Ça fait 40 minutes de stream, vous êtes déjà en train de demander ouais, comment mettre un râteau à quelqu'un? J'en peux plus de vous, les gars. Bon, Nico, là! T'es que ce voilà, t'es charmant, je ne J'en peux plus, les gars. Non, mais c'est bien. La menace de la. Bah, la menace en fait. Parce qu'une nana sait à quel point une nana peut être vénère, tu vois. Logiquement, ça c'est un peu comme un mec, hein. Les meufs, ouais, je ramène mon mec, tu fais ok. Enfin, bon, à moins que le mec soit une victime. Bon. Bah, dans ce cas-là, oui. Mais c'est vrai qu'il a les codes. En Espagne, on fait les maracas du rire, si vous voulez. Voilà. Je vais conduire, hein. Discutez entre vous. Je vais arrêter d'interagir. Les gars, c'est quoi? Je me concentre un peu sur la conduite. Je dirais vos conneries en condensé. Hop, c'est fait. Et c'est fait. Alors. Non, je pense pas, Hiro. Selon le type de personne, ça peut faire l'effet inverse. Je suis trop drôle pour eux. Ah ! Ah ! Alors. Hiro a dit. Hiro a dit. T'as déjà pensé à la Marrakech du Rire ? Va avec répond. Non, je suis trop drôle pour eux. Je clip ça. Voilà. Blanc, j'ai déjà mis un râteau, mais genre moi c'était méchamment. Bon, en vrai, un râteau gentil, les gars. C'est comme dire, ouais, j'ai mis un coup de batte gentil. Bon, on a pourquoi. J'adore. Non, mais cette vanne, cette répartie, je suis trop drôle pour eux. Et c'est tellement vrai. Clairement, en fait. Venez, on fait les gamaniacs du rire. Je fais un truc qui a jamais été fait. Genre un Fanta XU, mais drôle. Genre avec des vrais gens. Et très drôle. Qui se forcent pas, vous voyez. Bref, non, mais je sais pas. Après, si tu veux, je lui fais boire un truc chelou. Je la mets dans un coffre. Baïonné et tout, et voilà. Bon, si là, elle te kiffe toujours autant, c'est qu'elle a un problème. C'est un peu extrême, hein. Bah, logiquement, elle devrait fuir. Mais tu devras avoir un autre problème avec la police après. Mais c'est vrai, putain, mais. Il faudrait vraiment être plus que ça. Je suis pas sûr que c'est légal, ça dépend. Genre, il a quand même un. Regarde, il dit oui, mais bon, c'est limite du harcèlement. Donc, c'est... est-ce que un... c'est du coup. Est-ce qu'un kidnapping. Est-ce qu'un harcèlement n'est pas un kidnapping? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas clairement kidnapper ton harceleur. Enfin. Tu vois ce que je veux dire? Ton harceleuse. Avec un N, évidemment, harceleuse. Je sais pas, faut voir. Il y a des spécialistes en légal ici. En légalité. Bon, sinon, avec vos conneries, moi je suis tranquillement en train de rouler sur le jeu. Je roule, jeu de voiture. Voilà, voilà. Vous ne verrez que mon casque pendant la prochaine course. Ah, je suis trop content, les gars. Je suis trop content. Eh, hey, le temps passe pas vite, c'est cool!
D'habitude, le temps passe pas vite quand on se fait chier, mais là, le temps passe vite, je trouve ça très très cool. Ça fait que 34 minutes que je suis en stream. Et oh, 5G, incroyable, on va battre des records. Tu peux remonter? Salut. On verra juste comme ça. Hop là. La ligue suivante. Est-ce qu'on n'achèterait pas une nouvelle voiture? On est des oufs. On achète une nouvelle caisse. Donc les 30 prochaines minutes seront vouées à l'achat d'un véhicule. Une Fiat. Ah, intéressant. Est-ce que c'est la bonne classe? Ligue 6, Ligue 7. Vous êtes con ou quoi? Mettez-moi directement la Ligue 6. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Une Mégane RS. C'est pas ma cam. Mais elle marchait bien celle-là. Quatrième de l'étape, l'échappée est allée au bout. Le seul jeu de cyclisme que j'ai fait, c'était le Tour de France sur PS2, je crois. Non, j'en ai fait un sur 3-6. Et est-ce que je l'ai pas fait en vidéo? Arrête, j'aurais fait un truc et non, ça s'appelait une virtuelle saison sur le Tour de France? Non. Non, je voulais le faire, on en avait parlé. Je voulais le faire, je l'ai pas fait. C'est vrai, tu m'as donné une très bonne idée. Il faut que je commence à me préoccuper de ça. C'est bientôt. Enfin, c'est bientôt, on se comprend. Non, mais c'était genre. J'en passais moins de temps par. Ok. Espèce de poupée, va te faire poupée parce que si tu rushes, je te prends et. Ah ouais, elle a pas compris. C'était ma foi fort peu cordiale. Ouais. Oh, une Clio V6. Le mec en fait est dans son truc. Le Giro. Non, vas-y. C'est quoi, je la fais pas. D'accord. Tout va bien. J'ai envie. Genre la police connaissent bien le Giro. Non, c'est bon, je l'ai pas dit, je l'ai pas fait. Ok, je l'ai pensé à très très haute voix. Ouais, non, je vais faire le Tour de France. C'est quoi d'ailleurs? C'est vraiment le Tour de France ou c'est le Tour de du Nord? C'est le Tour d'Hollande à ce niveau-là. Tour de France. Tour de France 2019. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est d'accord. Ah oui. Ah non, en fait, pas du tout. Mais c'est quoi? C'est quoi cette carte? C'est le Tour de l'Est? Non mais là, c'est de pire en pire. Je sais pas, je suis pas spécialiste sportif, les gars. Je suis pas spécialiste sportif, encore moins cyclisme. Mais je peux avoir l'avis de gens, est-ce que c'est une carte qui... Je sais pas, allô? Y'a quelqu'un? En vrai, faut qu'on fasse une étape, ou pour meubler, je raconte l'histoire des étapes ou des cours. Mais ça, vraiment, j'ai envie de le faire, mais faut qu'on... Mais putain, mais tellement... Mais faut pas, ouais, non, oui, ok, ce qu'on avait dit, ouais. Moi, avec mes projets qui aboutissent pas, on va regarder ça, mais effectivement. D'accord. Ok. Cliff! Cliff! Bonsoir! Non mais je dis ça à mon ex, pas à l'autre. Hein? Ah ok. Quoi? On comprend rien. Enfin bref, ok. Écoute, niveau suppression des gens gênants, Varek est une bonne expérience. Voilà. Avec ses records mondiaux sur des simulateurs. Hein. Bon, est-ce qu'on prend la voiture du Kekos de base? J'ai rien contre le groupe, c'est bon ça. La R32 est une putain de caisse, d'accord. C'est bon, ça va! Ça va. Mais une R32, ça me dit bien, ouais. Dommage qu'on soit jeudi. Alors, non, clairement pas. J'ai pas joué depuis 2 mois. Ça va sinon, niveau fief, tout ça? PUBG, faut qu'on fasse du PUBG, faut que je ramène Bûcher. On se passe du PUBG, je sais pas si j'ai toujours top 30 monde, je pense pas. C'est pas la peine non plus de te la péter, de ramener ta science. Mais je suis en ligue 3, classe série ligue 6, ligue... Pourquoi ligue... Quoi? On comprend rien. En fait, en haut, c'est genre le potentiel max dans lequel elle peut aller, quoi. C'était pas français. Genre, celle-là, c'est cool, je peux genre monter les pièces de ouf. Ok, d'accord. Bon, les gars. Non, mais c'est intéressant, héros, y'a pas de soucis, hein. C'est très intéressant. Cette caisse, ça fait un bruit de ouf. J'arrive à en conduire une un jour, je vous fais une vidéo. Oui, on vous en foutez, je sais même. Allez, on va prendre ça. Brian, Tacta, Too Fast, Too Furious, toi même tu sais. Attends, j'ai combien? Ah, c'est cher quand même. Voilà. Ouais, 22 novembre 2005.
Peut-être mon vrai permis. Oh, c'est bon. Alors, le tunage. Un bon tunage. Ça, c'est le moment chiant pour vous et drôle pour moi. Pardon. Me dis visuel. Non. 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 Ouf. Yes. Oh là là. Oh non. Ah, j'aime bien ce petit côté carbone. Tu n'en es juste à toi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu ni l'un ni le deux. Ça c'est de la merde. Ah d'ailleurs il y a le spin-off qui sort là, Hobbs and Shaw. Là vraiment ils sont partis dans un délire. Ah ça c'est bien avec le carbone. Ils sont vraiment partis dans un délire X-Men. Là, Bon je sais que Fast and Furious n'est plus réaliste depuis un petit moment. Bon, bien même le premier était pas forcément très réaliste, il y avait quand même une certaine logique mécanique. Là, clairement, ils sont partis dans... C'est Captain America, quoi. Et les motos, ça s'attache... Quoi ? Comment ça, jamais tenté ? Ou à Varek ? Ou à moi ? À qui vous parlez ? À qui ? De quoi ? Irréel, en vrai ? De quoi ? Soyez clair. Ah ! Un jeu de moto, vous voulez dire ? Le mec j'ai déjà fait de la moto sur mon stream. J'ai fait Drive Club Bike. Et j'ai envie de faire Ride. Est-ce que vous aimez Ride? J'ai bien envie de faire le premier sur Xbox One. On peut le trouver pour une poignée de croquettes. J'ai envie de faire Ride. J'avais bien aimé la démo. Il y a le 3 qui est sorti, donc c'est logique, hein, c'est mon décalage habituel. J'ai envie de faire le premier. Moto GP on peut le faire si vous voulez. Mais je ferai pas des streams récurrents. C'est, j'aime pas du tout en fait la sensation. Tu me diras, j'ai pas testé celui-là, ça fait longtemps que j'ai lâché MotoGP. Mais on peut le faire pareil, hein. Je demande à mon oncle des États-Unis de me l'envoyer et. Allez, Kekos Carbone. Parce qu'avec le carbone, on gagne de la vitesse. Irréel. Bah, peut-être. Qui dit que j'ai pas de. Est-ce que j'ai dit que j'ai pas de moto? J'ai jamais dit. Et faire des soirées Insta à moto, c'est quand même chaud. Tu vois. Bon, en tout cas, je peux te dire, j'aime pas les gros cylindrés. Pour mon délire, genre super sportif, c'est pas mon kiff. Ça a été pendant un temps. Puis voilà. Peut-être que j'ai eu ou pas, mais en tout cas, ça m'a lassé. Peut-être juste en prévision d'avoir, je me suis dit non, trop dangereux. Tu vois. Soit j'en ai eu, je me suis dit c'est trop dangereux, soit je tiltais avant d'en avoir que c'était trop dangereux parce que c'est pas mon délire. Mon délire, c'est vraiment de cruiser en fait. Du coup, c'est pas mon. Plus roster où je suis désolé Supermote, je sais que du coup Supermote c'est devenu hyper Kekos aussi parce que tout le monde a une Supermote. Mais je vais pas m'empêcher quand même d'avoir des trucs qui me plaisent juste parce que tout le monde l'a. M'énerve. Eh hey, m'énerve pas. Bonsoir à toi. Quoi? Attends, ah oui d'accord. Quoi? Qui? Ah oui d'accord, Twitch Prime, j'en peux plus, je crois que j'ai vu deux modos, je fais quoi? Avec un setup à 5746€ offert par tous les autres viewers sauf moi, t'auras plein de sensations. Oui mais je pourrais pas jouer à des jeux de moto, donc il faudra re un setup. Plus l'argent pour m'acheter le local. Bonsoir à toi du coup m'énerve, bienvenue. Du coup voilà les gars, pour tout ce qui est... Mais qui sait, si un jour je fais des vlogs, ou des moto-vlogs, ou des auto-vlogs, qui vous dit que dedans il n'y aura pas des extra motos? Et ouais. Et ouais. Ou peut-être pas du tout, hein. Peut-être que j'ai pas du tout le permis moto, peut-être que j'ai même pas le permis voiture. C'est pour ça que je passe ma frustration sur un jeu. Je suis pote Irel le Varek. Ok, bienvenue alors, pote Irel le Varek. Je veux dire que tu n'existes pas alors. Bon, je pense qu'il t'a briefé au niveau humoristique chez moi, donc ça va pas te choquer. En tout cas, ça fait plaisir. Donc il me fait de la pub quand même l'enfoiré, c'est bien. Très très bien. Mes pots de vin ne sont pas vins. Ah, mes pots de vin, c'est drôle ça. Ah là. D'accord. Il y a de l'humour sur ce stream. Oui. La légende, en fait, ça me saoule. Je trouve jamais les légendes que je veux. Ça m'insupporte. Allez hop, ça va être celle-là, roule. Oh non, Max, on va faire une charrette. On a rien à foutre. Voilà, 20 pouces, c'est bien ridicule, c'est bien tape-cul. On va bien consommer avec ça.
Pour faire ta déjà, comment tu fais ça? Bah j'ai branché une webcam et puis voilà. Je pense que Varek peut te passer astuce. Non, je réponds ça à tout le monde, tu comprends, magie du spectacle, tout ça. Secret de polichinelle. Mais tu vois, je pensais que ça serait plus connu que ça, mon délire là de... Voilà, ouais, j'essaie de faire un peu RP. Je pensais vraiment que ça serait plus. Parce que j'ai vu d'autres personnes faire ça, mais oh, c'est un peu copier-coller en fait. Pollux Play Game! Oui, ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu! Du coup, bienvenue à toi! Bonsoir! Comment vas-tu, mon ami? Tac-tac. Hop là. Ouais, on essaye. Bah, c'est compliqué de trouver des casques à sa taille, hein. Vraiment. On voit bien que c'est. Ouais. On sait pour quel genre de tête c'est, quoi. Je voudrais pas commencer à. Je sais pas si vous êtes des humains, je suppose. Ça me. Voilà. Clairement. Commencer à rentrer dans les détails, mais bon. Ça, c'est quand même drôle, salon. Alors, je stream à peu près tout, n'importe quoi. Beaucoup de jeux de caisse, parce que je suis à l'aise dessus, pas forcément, mais très à l'aise. On stream souvent des jeux comme Red Dead. J'ai fait Spider-Man entièrement vidéo, Red Dead on le fait entièrement vidéo. Je fais quelques jeux qui sont proposés par la commu. Je fais des guillemets, mais tu les vois pas. Parce que j'aime bien, ça me permet de tester Subnautica, j'ai découvert Subnautica, j'ai découvert plein de jeux comme ça grâce à ça, merci beaucoup. On est assez éclectique, vraiment grosse marde de bagnole, mais des fois il y a des semaines où il n'y a pas du tout de jeu de caisse. Et on va être full jeu aventure, en fait je joue à tout. Je fais même des quelques Battle Royale, mais c'est vraiment comme le demande parce que je suis vraiment mauvais et je suis pas bon FPS. Je fais des vieux jeux, au niveau plateforme je stream de la 3.6 comme là, du PC, Xbox One, PS4. Et puis j'espère bientôt PS3, Xbox One, PS2. Non, je joue pas avec un volant. En solo oui, enfin dans mon coin je peux jouer avec un volant, j'en ai un. Mais en stream c'est trop relou et je peux pas le garder, c'est en permanence, du coup ça me saoule. Du coup ça va Pelux? Enfin voilà, du coup je suis assez éclectique et voilà. J'ai fait Resident Evil 7 par exemple, j'ai fait des jeux d'horreur, j'ai fait ouais je crois que c'est assez éclectique les gars. Là, Hero m'a fait découvrir le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, merci beaucoup Ménerve pour ton follow. Merci beaucoup. Ça se prononce bien m'énerve, ah bon, peut-être ça se prononce, c'est peut-être m'énerve. M'énerve. Merci beaucoup, ça fait plaisir, le gars revient après 3 semaines, il a un follow, c'est incroyable. Merci beaucoup. Du coup, ouais, il m'a fait découvrir le Seigneur des Anneaux, l'âge de conquête. Merci pour l'host, Hero. Merci beaucoup. Bah oui, la DeLorean, ici, c'est que des subs, enfin, que des alertes retour le futur. Parce que c'est mon jeu. Oh, j'aime bien Stallone. Du coup, c'est un jeu sur. Jeu sur quoi d'ailleurs? Ah, 3-6. Mais voilà. Et j'ai aussi une chaîne YouTube, si tu veux voir quelques rediffusions, si tu veux voir un peu ce que ça donne. Bah, j'ai une chaîne YouTube qui maintenant ne sert qu'à des rediffusions, mais il doit avoir du contenu. Tous les week-ends, logiquement, il y a un let's play. J'ai fait Soldat Inconnu récemment, qui est spécial à YouTube. Et puis des petites découvertes, en thème, des trucs comme ça. Un contenu différent, en fait, de ce que je fais en stream. Et puis les autres jours de la semaine, c'est des rediffs de mon stream. Voilà. C'est bon. Ah ouais, ok, bah on est potes, bah c'est cool. Retour à le futur, meilleur film. Non, ça va les gars, on est toujours sur le. Sur le tuning. Ouais, c'est drôle ça. J'ai plus le titre, mais de toute façon, y'a pas beaucoup de PUBG. Y'a pas beaucoup de PUBG, ça va vite être trouvé. À la grosse sortie avec le gros tilac des familles. Ouais, tant qu'à faire. Mettons du carbone. Ah, ça fait plaisir les gars, on est 7, on est là! Le premier qui met un truc marrant à marquer, vite. Le plus rapide à marquer un truc marrant dans le chat, je le marque sur la plaque. Ça sera la plaque de l'Evo. Je veux rien savoir. Un test, j'ai installé RALQ Debug. Ah bah ouais, on t'aime, moi perso. Alors je l'ai défoncé, hein, je te le dis. J'ai fait 50 minutes dessus. J'ai des arguments. On peut être ne pas de mon avis. Mais voilà. Je fais comparatif E3, tout ça, tac tac. Fais plein de références à des jeux qu'ils ont plus ou moins pompé. Taboulé, ok. Trop tard! Et tu pourras en proposer à la prochaine voiture. Ça va pas rentrer ta boule, tu vois. Si, c'est bon. Normalement, ouais, c'est bon.
Ouais, mais en fait, il est sympa, il est pas pourri, mais le problème, c'est qu'ils sont clairement branlés avec. Hein. Ils ont lancé un truc de ouf, c'est une nouvelle licence. Et pour moi, une nouvelle licence doit imposer quelque chose de très fort. The Last of Us, par exemple, tu vois. Clairement, ils sont arrivés en mode bam, Horizon Zero Dawn sur PS4. Clairement, ils sont arrivés et on a rien compris. Une nouvelle licence, Gear of War à l'époque, une nouvelle licence doit imposer quelque chose. Et là, pour moi, je sais pas, il y a quelque chose de bâclé. Ah, c'est bon, ok, d'accord. Arrête Il y aura la place, je vérifie, mais il y aura la place. Mais après, si on repart sur un thème. Si tu regardes un thème, c'est au niveau des 40 et quelques minutes, je crois. Il y a un truc sympa à voir comparatif avec le 3. Parce que ça fait 50 minutes, t'as peut-être pas envie de te taper 50 minutes de moi qui déblatère. Putain, une lettre près, j'aurais pas besoin de le décale quoi. Taboulite! Le jeu c'est qu'il y a... c'est même pas une bêta. Ah on est d'accord, bon on est d'accord, ok, bon ça me fait plaisir de trouver des gens qui sont de même avis. Parce que tout le monde comme dit oh Anthem c'est trop bien, jeu de ouf, merci BioWare pour ça. Je fais les gars, vous avez jamais joué à un jeu? C'est pas si ouf Anthem hein. Taboulé One. Comme Air Force One. Ah non c'est un jeu full Anthem hein. Il a jamais passé en bêta hein. Enfin je crois pas. Y'a pas What the fuck. Ouais non mais c'est ça. Moi, juste de faire le jeu, j'ai fait les premières heures du jeu. Putain, y'a pas de... d'espace. On va tabouler. Incroyable. C'est bon si je fais ça? Non, bah non, tabouleta. What the fuck. Non. Allô? Tabouleta. Voilà, on est bien. C'est pas centré, ça me saoule. Est-ce que je peux faire ça? Non, on peut pas. Voilà, on est bien là. Taboulé avec le Californien, on est bien. Et on tient quelque chose. Ah, ça c'est stylé, non? Ok, roux. On met des plaques françaises pour le kiff. Mais c'est drôle, Californien taboulé, je pense. Je préfère. Deux coups de 3-1, 70 balles. Mais attirant entre ta et boulet. Ça peut être drôle. Mais y a pas de tiré par contre. Y'a que espace. Bah surtout que c'est plus du tout les plaques de finito quoi. Y'a pas de tiret, c'est dommage. Pourtant ça se modifie. On va rouler avec cette caisse ou quoi? Allez, full carbone. Bah les couilles. Allez, quitte l'arche, ça ressemble à quoi? Hein, c'est de la merde. C'est, en fait c'est mon kit quoi. 8 teintés, évidemment. Pour la marée chaussée, évidemment. 100%. Ah bah les UV. Vraiment pour le derme, l'épiderme. On la rabaisse, évidemment. T'as un tas de boulets. Ah bien vu. Très bonne vanne. Très bonne, très très bonne vanne. Ça par contre c'est too much, j'ai jamais kiffé sur ce genre de caisse. Alors j'admire le bricolage. Mais non on s'en fout en fait, c'est vraiment... Tac tac Full carbone, j'adore le full carbone. J'adore l'effet noir au-dessus, ça rabaisse la voiture, j'adore. Ok, c'est bon. Ça c'est que le design hein. Oh, c'est bon, on paye hein. Et après le problème c'est qu'elle est modif. On la met en bleu. Alors j'ai déjà une voiture bleue. Bon les gars, flemme de repeindre cette caisse. C'est ça que j'aurais dû faire en fait. Bon, ce qui est relou, c'est que le pack 3... 11 000 bon, on va faire la course comme ça, c'est très bien. C'est très très bien la course comme ça, les gars. On va quand même passer 20 minutes à tuner cette putain de bagnole. Je sais même pas si on reste dessus ou on passe à l'âge des conquêtes ou... Je sais pas ce qu'on fait, les gars, je sais pas. On fait n'importe. Je sais même pas si il y a de la pause. Si, il y a de la pause parce que j'ai la dalle. Ouais, hein, comme d'hab, hein. J'arrivais pilou pilou, tac tac... Premier, c'est bon, premier, tac tac tac, premier. Ah, ça j'ai pas fait. Mais c'est quoi l'objectif? C'est bien de me mettre des lunettes, mais c'est quoi l'objectif, les gars? Putain, j'ai passé tout ça juste pour faire le même truc? Non, c'est où?
Ah oui, c'est vrai que c'est la même classe. Je suis ridicule. Ah les gars, les gars, les gars. Ça fait plaisir. Vraiment. Je vais finir par faire des lives Instagram, les gars. Vous êtes pas assez à me suivre sur Insta, mais sinon en vrai, je vous ferai des lives Instagram. Juste pour taper à discute, en fait. Juste me poser en forêt et. J'aurais 100 ou 200 gens qui me suivent. Je suis à peu près sûr d'avoir des gens qui, là, mais qui sont là. Mais attends, j'aimerais bien faire des petits lives Instagram. En plus, les beaux jours vont arriver. Et en rasso, j'aimerais trop vous montrer des caisses en live. Ce serait cool. Ah là là. Attends, écoute, c'est un secou, c'est calme, les gars. Je parie le max. J'aurais accepté. Oh, ça va, j'ai quand même pas mal d'argent. Je suis un peu alarmé pour rien. Faut que je vérifie un truc là. J'aimerais bien aussi. J'aimerais bien aussi. Mais comme je l'ai dit, j'ai supercar, j'ai clairement pas assez de contact. Il va y avoir 2-3 trucs, mais déjà c'est chaud pour que les voitures, enfin pour que les gens te laissent conduire. Conduire encore, ça peut se négocier, tu vois. Après filmer et blablater, t'es pas trop d'influence. Les mecs ils aiment bien quand même pour leur ego, sympa, t'as 10, 15, 20 000 abonnés. Oh bah c'est cool, tu vois, ma voiture nanana, tu vois. Bon, tarif, t'as 300 abonnés, pas du tout quoi, je vais pas ma caisse. Donc bon, c'est quoi l'objectif? C'est le problème. C'est quoi l'objectif? C'est pas l'objectif, c'est quoi l'objectif? Ça dégage. Les petits effets de traîner comme ça, ça nique vite les yeux. Tu commences à devenir chou, les gars. Hein. Bien joué. Très bien joué. Ouais, je pense que je devrais modifier un peu ma caisse parce qu'il commence un peu à être. Un peu relou. Je conduis comme une pomme de terre. Ah, il est parti le mec, mais vraiment genre en mode. Et oh, on insulte pas les cochons, ok. Ah, Varek. 300... C'est un peu ça, Hiro. À l'époque, c'était 20 euros, un peu plus. Et quoi Butcher, putain, mais. Merci, Butch. Un foiros. 11e mois. Eh, Butcher, à bientôt un an, quoi. Incroyable. J'en ai un torticolis, quoi. Butch, quoi. Merci, merci, poteau. C'est le poteau IRL de toujours. Non, il est pas si moche, Varek. T'as vu? Espèce de sale troll. Vous allez bégayer, les gars. Vous allez voir mon animation de sub, vous allez rien comprendre, ok? Ça dégage, Bobby. Starkey Hutch ou quoi? Ah non. Butch. Ah là là.
Moi j'avoue, m'énerve, c'est bien comme ça encore une fois, hein, je vois pas. C'est vrai que c'est pas rentable si tu fais pas souvent de cam avec des potes. Peu importe pourquoi faire, je ne te juge pas. Ou de stream, etc. C'est vrai que ça va 5 secondes le délire. En fait, t'as un fond vert intégré. Et du coup, tu l'incrustes comme si t'avais un vrai fond vert, tu vois. T'as pas besoin d'avoir un fond vert en fait. C'est l'avantage en fait de Face Trick, il n'y aura aucun accident. Un jour, Alino, pas ce qu'il fait d'ailleurs. Alino a dit ouais, tout ce que j'attends, c'est que ta caméra bug pour voir ton vrai visage. Déjà, un, je vois pas ce qu'il veut dire parce qu'on voit tous mon vrai visage chaque soir. Et de deux, elle ne buggera jamais. Et quand bien même elle bug. Mais je suis d'accord avec Hiro. Faut arrêter de douter, les gars. Hein. Essayez d'aller voir plus loin que vos conceptions de base. Vous êtes trop étriqué avec les références de tous les jours. Fallait plus loin en 2019, les gars. Voyez plus loin. Regardez avec votre troisième œil. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi ça peut pas bug? Parce que, en fait, ça. Comment t'expliquer? Ça prend littéralement la place. Donc si ça bug, ça bug. On ne pourra pas voir autre chose, tu vois ce que je veux dire? Si tu portes un masque, par exemple, ton masque peut tomber, et dans ce cas-là, on te voit, hein, d'accord? Mais si, genre, t'as un masque qui est animé, et toi, t'es pas derrière ce masque, tu vois? Et bah, on peut pas, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Tu te lèches. Ok, le gars, ça fait un quart d'heure qu'il est follow. Tu te lèches le cul! Ok. Ça fait plaisir. Au moins, on reste sur une constante, hein. On est sur une certaine logique de follower. Ça me va. Mais c'est vrai que le coup de la paix, la belle époque. La belle époque. Des gens qui me unfollow. Alors, des gens qui unfollow, un, parce qu'ils sont trop susceptibles, et qui se prennent pour le centre de l'univers. Et d'autres personnes qui unfollow parce que, bah, ils croivent, hein, ça on adore, ils croient les versions des gens qui se prennent pour le centre de la Terre. Alors qu'ils n'ont aucun problème avec la personne suscitée. Le bal est là parce que le bal est masqué. Le bal est masqué, vous l'avez. Ok, d'accord. Non, ça va, vous? Le printemps, eh, belle journée, hein. Et 58, j'en ai rien à foutre, je relance une course. Alors. J'ai envie de dire, oye oye. Championnat, oh, c'est un championnat. Alors personnellement j'ai pari parce que déjà je préfère les pâtes. Et... voilà. Voilà voilà voilà. On va pas faire de cut précis 21h tac tac, on balec, ok. On est en mode sauvage, hein, les gars. Exactement. Le pharaon. Incroyable. Et d'ailleurs des fois il a besoin vraiment de repos, le pharaon. Et du coup, même tard le soir, on dit ah, le pharaon n'est pas couché. Il faut engranger un max de points en participant à une série d'épreuves. Tu gagnes des points en étant premier, deuxième et troisième. Alors pour gagner le championnat, c'est pas la peine de remporter chaque épreuve. Simple, non? Allez, va gagner des points. Bon. Ouais, on a compris. Ouais. Non, mais. Crystal Simon. Eh, les gars, Crystal Simon. On va jouer un petit jeu. On va voir si vous êtes genre honnête. Ou si vous. Voilà. Crystal Simon. Simon, on va dire Crystal Simon. C'est un nom de quel genre de métier? Voilà. Vous dire boulangère. Pompier. J'ai un grand besoin. Basketteur, bien! Bien! Je m'attendais vraiment autre chose de toi. Ben Simon. Ok, oui, d'accord. Oui, parce que t'as une référence, du coup, échec et mat. Bien vu! Mais tu savais à quoi je pensais. Voilà. Ça, c'est un bugué de ouf. Ah, le bâtard, m'énerve! Putain, tu peux en faire un, s'il te plaît? Ah, du Whiskas, si tu veux, à la place du cheddar. Oh, bon. C'est pas du cheddar chez moi, c'est du cheddar. Ouais, parce que je...
Bref, oui, non, oui, enfin oui. Ça marche, bon app du coup, m'énerve. Là pour le coup, tu m'énerves. Faut vraiment que je fasse un jingle avec un zoom en mode Horatio Kane de. Des experts. Mais ouais, héros, ouais, effectivement. Ouais. Mais Varek, il a été sauvé par sa culture sportive. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. On fera pas du Seigneur des Anneaux du moins que Héro n'est pas là. Mais bon, c'est quand même lui qui m'a conseillé le jeu. Ouais, il est où d'ailleurs? Je sais pas. Écoutez-moi ce bruit de gâchette. Peut-être se mettre en vue extérieure, les gars, parce que depuis tout à l'heure, vous voyez que mon volant. Enfin, c'est pas extras. Ah, dommage. On dirait typiquement une rue de Need for Speed Underground pour ceux qui ont joué. Ah, c'est drôle ça. C'est un jeu vidéo. J'ai peur avec les liens que tu m'envoies, héros. Même pas voulu. Oui, c'était voulu. Et confiance, bon, ça veut dire qu'il faut pas. Quoi, une Cupra? Ah putain, mais what the fuck, je dis une Cupra quoi? Ouais, je ne connais pas ce véhicule. Il fait des références, mais je ne connais pas. Leon Cupra, c'est quoi ça? Je connais Leon, mais la Cupra. Pff, ouais. Ça dépend sur quelle génération. La première, elle a un litre 8 turbo. En 180, 210 ou. Ah non, 225 la Cupra. Et 210, non, mais. 180, c'est pas une Cupra. 210, c'est une Top Sport. Après, sur la 2, c'est un 2.8 TFSI. 280, je crois. Et 340 je crois pour le... Non 280 c'est la dernière Cupra, je sais plus. 265 je crois. Mais première génération sûr. La Cupra c'est 225. On fait toujours le Top Sport et le 2 litres TFSI. Voilà. Les reflets lingent un peu j'ai remarqué. Enfin RAM. Pardon. Mais je suis sûr qu'il y en a une à 320 choux ou 340. Non, c'est pas tout derrière. Une dinguerie. Ou peut-être c'est repro. Peut-être que je confonds repro. De toute façon, il y a Leon 4 qui va arriver là. Ah, c'est une 300. C'est bien ce que je pensais. 300 choux. Donc c'est 300 choux. Donc reprog, ouais, c'est 340, 350. 300 chevaux, c'est ridicule. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Tu comprends? D'origine, c'est ridicule. C'est ouf. Quoi. Incroyable! Ok, ça c'est bon. Ok, c'est ok. Allez, plus que deux courses. Après, je sais pas sur quoi on passe. Je vais encore une petite pause quand même, histoire de désaltérer. Et puis j'aurais checké un peu ce que j'ai. Je sais pas. J'ai envie de faire un jeu de merde, les gars. J'ai envie qu'on se tape des barres. Qui est pour le skidoo là? On n'a même pas besoin de faire une heure, les gars. On s'en fout en fait. On peut arrêter ça quand on veut. Qui est pour qu'on fasse un peu de motoneige? Est-ce que ça vous dit de se taper des barres sur un jeu de merde? Ou Fast and Furious? Vous vous rappelez Fast and Furious tout pourri là? J'ai envie de jouer un jeu de merde. Le quoi? Skidoo? T'en rappelles? Motoneige? J'ai envie de faire un jeu de merde. Je vais le faire. Vous pouvez choisir le jeu de merde.
Jeu de course de moissonneuse batteuse. Breakfast. Ah mais c'est pas un jeu de merde. Mais on peut y jouer. Si j'ai pas de mise à jour. C'est sur PC mais je peux y jouer. Ah non. J'ai pas de manette compatible actuellement. En jeu de merde, je sais ce que t'as. Ah non j'ai pas de... Ha ha la bonne blague. Non j'ai pas de manette. Je suis pas... J'ai pas ma manette de Xbox One en fait. Et c'est la seule que je peux brancher sur le PC. Or. Honor. Formidable. Ah oui, Forza. Ah c'est pas un jeu de merde Forza, ok. T'as de la chance, on peut jouer qu'au 4. Breakfast, il doit avoir du nouveau contenu. D'ailleurs il va sortir sur console, vous allez rebouffer du breakfast du coup. Ça dégage bordel. Il y a que Forza 4 là sur la main. Forza Horizon 1 si tu veux. Forza Horizon 3, Forza Horizon 2, Forza 1. Calme-toi Léon. On va rebouffer des... Des moules et des frites. Pourquoi avec son boost il avance aussi vite que moi sans boost? Ken! LTR 34. Tanaka. Ouais! Ah c'était stylé. Je suis en mode ouais machin. J'adore par exemple, les nouveaux ATH et tout le bordel. Bon je suis un peu choqué de la gueule des voitures. C'est des ailerons avant ou c'est des trucs pour faire des frites? Ils vont mettre combien encore de lames quoi? Ça je suis choqué. Bon leur arceau ça je l'avais vu. J'ai l'impression qu'ils ont moins en moins de place dans les voitures. Ça a jamais été le même espace. Mais le départ là. Bah en fait c'est juste le petit bump là. Il a pas kiffé. Ça aurait été que de l'herbe, il serait passé. Et c'est vraiment la petite bande en bitume là. Et le retour sur l'herbe. Finito. C'est abusé quoi. Ça touche quasi tout le temps maintenant. Le fond plat il touche. Avec les petites perturbations là au bout des ailerons. Ça je kiffais, je le voyais déjà il y a un petit moment. Ce qui est très très drôle c'est que j'ai vu que le record est toujours à Schumacher. C'est quand même un délire parce que j'ai vraiment l'impression que les voitures passent beaucoup plus vite en courbe. Vraiment. Chaque année, déjà à l'époque où je regardais, j'ai l'impression que chaque année, et c'était le cas, les mecs passaient de plus en plus vite. Là je les regarde en courbe, je fais c'est une dinguerie. Et pourtant c'est toujours une 24 je crois. Mais il a continué, après il a arrêté, j'ai pas trop fait gaffe parce que j'avoue j'avais pas trop les commentaires. J'ai pas trop gaffe. J'ai pas fait gaffe pourquoi il a abandonné mi-course non, un truc comme ça. Coupé de ça aussi, j'ai pas compris. C'était quoi son délire de se prendre un tour au bout de 10 tours? J'avoue, je regardais, hein. J'écoutais pas, mais. J'ai pas compris. Je me dis comment au bout de des 13 tours, c'est prendre un tour? C'est dingue. Mais Bottas, effectivement, il est chaud. Hein. Ah oui, d'accord. Ah, pas bête. Calmer hein. Pause d'ailleurs. On discute, mais rien qui profite. Plus Bottas c'est un Finlandais quoi. Ça fait tellement bizarre d'entendre cette musique. La dernière fois c'était sur Morikonen. Ah d'accord. Il y avait aussi Grosjean qui a un problème de pneus je crois. Pareil, j'ai pas compris. Déjà il mettait beaucoup trop de temps. Ah et aussi les aérostands, c'est quoi ce délire? 3 secondes pour changer 4 roues? C'était pas ça à l'époque hein. C'est un délire. Et j'ai pas compris aussi, ils ont de l'essence pour tout le Grand Prix. Je comprends pas, ils ravitaillent plus l'essence. J'avoue hein. J'ai pas été voir les règles avant le Grand Prix, donc je capte rien de ce qui se passe. Les pneus, ok, j'ai vu qu'ils en avaient enlevé, je crois. Ouais non mais moi à l'époque c'était 5 secondes hein. Là je voyais 3 secondes, 3 secondes 2, même ils sont descendus 3 secondes. Je fais quoi? Déjà c'était une dinguerie hein. Mais du coup, j'ai pas trop compris. Bottas, ça fait un arrêt et il a juste changé de pneu, je crois. On voit pas, il ravitaille plus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas regardé. Hein. Ça se trouve, à mon avis, maintenant on ravitaille plus. Je rigole. Mais c'est quoi le délire? Parce qu'en fait, il a déjanté. C'est pas la jante qui s'est barrée en fait. C'est le pneu qui était mal scellé sur la jante. En plus, déjà, ils ont eu du problème à la mettre, ces trous-là. J'ai vu.
Non, mais je sais pas combien, genre 15 secondes, 20 secondes. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Il faut au moins ravitailler au Grand Prix d'Australie, je comprends pas. J'ai vu, enfin, de mes yeux, où je regardais pas à chaque fois qu'il ravitaillait, je voyais que les pneus, tout le temps que les pneus. Oh putain, merde. Et ça me tue en fait, je voyais que 3 secondes et tout. Je pouvais pas ravitailler en 3 secondes, les gars. Non, non, c'est bon, on reste. C'est quoi cette mise de merde? D'accord, ça marche, mec. Ah ouais, c'est vrai qu'il m'a envoyé une musique. Alors je vais faire ça. Comme ça, moi, si tu me trolles, on n'entendra rien. Ah, ça va, ok, d'accord. Ça va. Ça serait stylé, non? En plus, je l'ai fait dans une vidéo, ça. Et j'ai un clip juste, il y a moi avec du, pas avec des lunettes, mais. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Faut vraiment que je me fasse un petit clip comme ça où dès que je balance une vanne, il y a un truc qui pop. Allez, stop it. Un pouce bleu. D'accord. Bah écoute, là il a fait une grosse course. Il a mis quoi, 20 secondes à Hamilton? Le gars, il se baladait. Et du coup, j'étais voir son palmarès, mais il a pas fait que des trucs de dingue. Et je crois qu'il sa deuxième victoire, non? Je crois, hein. Mais je me demande si Bottas c'était pas déjà là quand je regardais, quand j'ai commencé à lâcher, je pense. Mais il devait être bah, dans les. Le bout du plateau, comme on dit. Voilà, prenez-en de la graine, les gars, c'est comme ça qu'on double. Du coup, maintenant je regardais les Grands Prix. Sûrement différé, parce que je l'ai téléchargé. Et puis, je ne regarde pas forcément le jour même. Et c'est cool. On va pouvoir débrief. D'accord. Incroyable. Elle s'est abusée. Le point du meilleur tour. Quoi? Le point du meilleur tour? Tong! Putain, tout le monde est là. Tong! Comment ça va? Oui, il a commencé en 2013, Bottas. Du coup, je sais pas. Non, mais le point du meilleur. Ok, d'accord. Mais hey, Bottas, il a amélioré de dingue, j'ai vu. Une 27, après il tombait carrément une 26, il a mis 5 dixièmes, je sais qu'est-ce qu'il fait. Bah après c'est logique, bon il y a des sens, puis il tourne vite. Mais il a vraiment bien bien amélioré. J'aime bien en tout cas, je sais pas si c'est l'évolution de la Formule 1. Je sais pas si c'est l'évolution de la Formule 1 ou si c'est Canal. À l'époque, dis-toi je regardais Grand Prix sur TF. Mais Canal, je sais qu'à l'époque déjà je regardais le top 14. Et il y avait plein de surcouches visuelles dessus, tu sais, pour nous expliquer des trucs, c'était vachement bien. Là où TF1 et France 2 c'est un peu de la merde. Enfin France 2 peut-être pas. Je ne dis rien. Pourtant que j'ai pas regardé le rugby sur les chaînes de télévision nationales. Mais le top 14 sur Canal c'était top. Vraiment. Et du coup là je pense que c'est vraiment la patte Canal+, avec tout leur HUD, leur affichage tête haute et tout. C'est hyper stylé je trouve. Vraiment on dirait que c'est beaucoup plus accessible pour les noobs entre guillemets, sans sens péjoratif. Vraiment. Le TF1, on dirait qu'il te balance un peu tout à la gueule en mode ouais, mais c'est normal, c'est comment ça fonctionne. Alors, moi, oui, tu vois, logique. Je kiffe ça, le sport mécanique et tout. Mais je me disais, ouais, c'est vrai que c'est pas tellement accessible pour des néophytes. Et là, je trouvais ça cool que Canal+, ils t'apprennent tout, ils t'expliquent. Genre, là, les petits logos pour savoir qui est en ce médium. Et en... Ah, c'est une nouveauté de la saison. D'accord. Du coup, tu vas bien, Tang? Ça fait plaisir. En gros, le problème, non. On a mis la saison un point attribué au pilote de l'écurie pour le meilleur tour si les pilotes finissent top 10. Ok. En gros, le problème, c'est que. Ouais, exact, c'est ce que j'ai vu. Et les du coup, ça c'est vachement bien. Du coup, tu peux vraiment essayer d'évaluer les stratégies. Tu te dis, mais attends, lui, il est carrément en hard dès le départ. What the fuck? Donc, c'est plutôt cool. J'aime bien. Bah écoute, ça va, ça fait extrêmement plaisir de streamer.
Et encore plus plaisir de vous retrouver. Vraiment. Ça fait plaisir. En plus, tous les loups ont été donnés aux gagnants, donc ça fait plaisir. C'est réglé ce problème, tout le monde. Eh oh ! Keiko, là, t'as une autre marque de montre. Du coup, voilà. Je veux dire. Du coup, j'aime beaucoup. Quand tu t'as fait ça, même les prédictions de dépassement, ça me fait rire. Le mec, c'est ma dernière main, quoi. 38% de chance que machin dépasse. Il y a le vote du public aussi pour le meilleur pilote, je crois. Ouais, désolé, ton gars. Ouais, je sais pas s'ils ont foutu Ferrari. J'ai regardé, mais en même temps, vu que j'ai pas suivi l'évolution des écuries, je me dis, bof, normal. Tu vois, je sais pas trop. C'est dommage que je peux pas stream les Grands Prix. Je vais me faire strike à coup sûr. Et ça serait avec plaisir. Qui se rappelle du mec qui streamait les matchs UFC avec une manette pour faire croire qu'il jouait et c'est passé? Ah, ça fait plaisir, mec. Hop là. Ouais, je sais, Tong, mais moi, ça me mettait pas bien. Ça me mettait pas bien. Pourquoi, pour qui je passe, hein? Le mec qui prend l'argent et qui se tire? Non. C'est vraiment un truc de beauf. Hein. Allez, ça dégage. Bah oui. Bah oui, quoi. Ah bah oui, ok. Enfoiré. Du coup, ouais. Si je suis dispo le jour de Grand Prix. Putain, les gars, c'est trop risqué de streamer, à mon avis, non? Ouais, forcément, je vais faire. C'est dommage. Ou j'ouvre une chaîne secondaire pour ça. Ouais, mais non, ça sert à rien. Quoi que je pourrais, non? Que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? C'est trop risqué. Clairement, si je stream vraiment le Grand Prix, je fais foncer. Y'a pas photo. De toute façon, je vois pas le stream en direct, à moins que. Effectivement, je regarde un stream. Bref. J'ai une idée. Mais ça pourrait créer de l'interaction, ça pourrait être cool. Ou si je rediff la. Enfin, je rediff la rediff. Genre, je le regarde en différé. Comme ça, ceux qui l'ont pas vu, ils peuvent le regarder. Et je pense qu'ils vont être moins regardants, vu que ça sera pas en direct. Je pense qu'ils surveillent tout ce qui est en direct. Mais si je le stream 24 heures après, par exemple. Moi, je suis tranquille, pépouze à 22. Hop, on se capte, petite soirée Grand Prix. On est à la cool, petit verre de coca. Bah, je sais pas. C'est risqué sur ma chaîne principale, en tous les cas. On n'a pas le risque. Ou ma chaîne YouTube non plus. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. De toute façon, là, c'est pas à l'ordre du jour. Je pourrais pas streamer tout de suite les Grands Prix qui arrivent. Mais on en a 20, je crois, ou 22. Jusqu'au 1er décembre, il y a un Grand Prix le 1er décembre, les gars. Allô? 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 Bon, on finit tout, Joyce. J'ai même pas dit ce que j'ai oublié. 22 Grand Prix, les gars. Du coup, pour ceux qui voient ça sur YouTube, putain, j'ai même pas dit en début de vidéo, on s'en bat les couilles. Les liens dans la description, évidemment, pour me rejoindre en live une fois par mois. Voilà, tout ça. Le Discord, surtout. L'Instagram, encore plus. Le Twitter, je raconte des merdes, et des fois pas que. Et petit coup de gueule. Voilà. Et puis, les gars, on fait la petite pause, et puis on se retrouve sur, je sais pas, sur un jeu de merde. Fast and Furious, je sais pas trop quoi, et puis on attend potentiellement le retour de Hérou pour faire l'âge des anneaux, le seigneur des conquêtes. Et puis voilà. Bon, je me sauve pour spa, mais j'ai pas de caisse. Ça serait bien, c'est quand? Ah, ça serait bien ça. Tu sais que j'ai failli rouler à spa à la fin du mois là. Et je peux pas. Il serait pas arrivé ce qui serait arrivé et. J'aurais dû être à spa. Mais bon, je vais voir pour le Grand Prix de Spa, parce que ça peut s'arranger. 1er septembre, ouais. Sincèrement, Varak, j'ai jamais foutu mon cul sur un Grand Prix de Formule 1. Et je kifferais en faire. Et c'est vrai que c'est un des plus accessibles.
Mais ta gueule toi. Ouais, septembre, il y a le temps de voir. Hein. Mais il y a moyen de faire un truc. Septembre, il y a moyen de faire un truc. C'est loin, j'ai le temps de m'arranger logistiquement. Ouais. On attend d'organiser. Bon bref, la petite pause, on grignote un sachet saumon et on revient dans le jeu de merde. Préparez-vous. C'est bien de se dire on stream ce qu'on veut sans rester une heure tout le temps. Incroyable. Incroyable les gars. A tout de suite.